Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va tester ceci, un casque Bluetooth à réduction de bruit que j'ai trouvé chez Jiffy. Mais avant de te parler un peu plus en détail de ce casque, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site VIP CDK Deals. Alors, VIP CDK Deals, c'est un site où tu vas retrouver pas mal de choses, des clés Steam, des clés Origin. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui sur VIP CDK Deals, eh bien, c'est les clés Windows. On va taper dans la recherche Windows 10 et on va prendre aujourd'hui la moins chère, la clé OEM. Alors, cette clé OEM Windows 10, tu vas la retrouver à 16,89€ sur le site. Mais en plus, tu vas avoir un code de réduction de 30%. Ce code, c'est TST20. Tu le rentres ici dans la partie dédiée et là, eh bien ta clé au lieu de 16,89€, tu vas la retrouver à 11,82€. Une fois que ta commande sera validée, tu vas dans ton compte utilisateur, tu fais afficher les clés et tu retrouveras ta clé Windows 10 ici. Ensuite, il te restera qu'à rentrer ta clé Windows, à l'activer et voilà, ton Windows 10 est opérationnel. Tu pourras même passer gratuitement à Windows 11 en faisant la mise à jour. Je remercie encore VIP CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo et puis on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, après cette petite partie sponsor, revenons à ce casque, ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Donc c'est un casque que j'ai trouvé au prix de 39,99€ chez Jiffy. On va voir ensemble dans cette vidéo et eh bien si ça vaut le coup de mettre 40€ dans un casque Bluetooth chez Jiffy ou pas. Je connais pas trop leur matériel tech, c'est la deuxième vidéo que je vous fais sur des objets tech de Jiffy. Et on va voir ce que ça donne. Allez, on va tout de suite aller faire un unboxing. On voit son packaging pour que vous puissiez facilement le retrouver dans le magasin. Et puis, on parle de ses caractéristiques, de son design. Et bien sûr, on se retrouve après pour que je vous donne mon avis dessus. Allez, on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de ce casque Bluetooth de chez Jiffy. Donc, vous le trouvez dans les rayons de Jiffy dans cette boîte. On a ici la marque, donc on est sur Homday Expert. C'est un casque Bluetooth, hein, tout simplement. Il nous annonce Premium, donc on verra si c'est le cas. On a un casque avec réduction de bruit active. Pour le prix, je trouve ça assez intéressant. On verra si elle fonctionne bien. On voit ici que c'est garanti 2 ans, donc ça, c'est plutôt cool. À l'arrière, on va retrouver quelques petites photos du casque. Et voilà pour le tour de la boîte. Alors, lorsqu'on ouvre la boîte, petite surprise, on découvre qu'on a une sacoche de transport plutôt quali et ça c'est plutôt cool au vu du prix du casque. À l'intérieur de cette sacoche, on retrouve bien évidemment notre casque, je vous le détaillerai hein, juste après. On a une prise adaptateur pour brancher votre casque en mode filaire dans un avion, donc ça c'est pareil, c'est assez cool pour le prix. On a un câble jack de 1 mètre, un câble USB vers micro USB et enfin un manuel d'utilisation avec une traduction en français. Alors parlons déjà du design de ce casque. Bon, clairement, quand on le prend dans la main, on sent que c'est pas quelque chose de top qualité. On a ici des finitions en plastique. On a sur le haut une mousse à mémoire de forme qui a l'air plutôt confortable. Ça, on verra si c'est le cas ou pas. On peut régler évidemment le casque sur les côtés. Ça, c'est cool. Chose plutôt sympa. Vous voyez, on a des écouteurs qui tournent. On peut les incliner également. Donc ça, c'est plutôt cool. On a quelque chose d'assez souple, plutôt léger. On est sur un poids de 200 grammes. Ce casque, on est sur un casque sans fil. Il a une batterie de 250 mAh. Il nous annonce une autonomie de 12 heures. Je vous dirai tout à l'heure si c'est le cas. Et un temps de charge de 2 heures. Au niveau connectique, on est sur du Bluetooth 5.0. Ici, eh bien, on a de la mousse qui doit pas être à mémoire de forme, je pense pas. Sur les côtés des écouteurs, ici, on a un petit design un peu façon alu brossé. C'est assez sympa. Ici, vous voyez qu'on a un bouton assez grossier ANC, donc 0-1, avec une petite LED. Donc, ça sera pour activer ou désactiver la réduction de bruit. Et sur le côté gauche, on va retrouver ici 3 boutons. Donc, on voit que c'est pour augmenter ou diminuer le volume, passer à la musique suivante ou précédente et mettre play pause. On a ici une prise jack pour connecter le casque en filaire. Et ici, une prise USB pour le recharger. Donc voilà un petit peu pour le tour de ce casque avec réduction de bruit active. Moi, je vais le tester pendant un petit moment et on se retrouve tout de suite, nous, pour que je vous dise ce que ça donne.
Allez, on se retrouve après cet unboxing pour que je vous parle de ce casque et que je vous donne mon avis dessus. Alors, vous l'avez vu, je pense, au niveau finition, c'est pas exemplaire. On est sur un casque à pas cher. Par contre, petit point positif, on a une petite sacoche de transport, une prise pour le brancher dans l'avion avec un cordon de jack. Globalement, un packaging plutôt complet. Ce qui vous intéresse évidemment, c'est de savoir si ça fonctionne bien, si la qualité du son est à la hauteur du prix, ou mieux ou moins bien. Alors évidemment, je l'ai testé pendant un petit moment et au niveau sonore, eh bien, je dois avouer que j'étais assez surpris. Le son est quand même plutôt de bonne qualité. Honnêtement, franchement, à l'écoute, eh bien, c'est vraiment très agréable. Le casque est assez puissant. On a des bonnes basses. Bref, un bon casque au niveau qualité audio. Par contre, le point qui fâche, c'est d'annoncer que c'est un casque avec réduction de bruit active. Et honnêtement, c'est assez anecdotique. Franchement, quand vous activez le bouton, eh bien, vous voyez pas une grosse différence par rapport à lorsqu'il est éteint. Donc, un bon casque Bluetooth, oui, sans aucun problème. Un casque Bluetooth avec réduction de bruit active, j'ai envie de dire non. Donc, à la question, est-ce que vous devriez acheter ce casque? Eh bien, franchement, moi, je trouve que 40€, c'est un peu cher pour ce que c'est. Pour ce prix, à environ 45€, vous aurez un JBL 510 BT. Je l'avais fait en vidéo, je vous la mettrai ici. Et qui sera beaucoup mieux que ce casque, que ça soit au niveau du confort, de l'écoute, de la qualité sonore. Clairement, vous serez au-dessus avec un JBL pour le même prix. Donc vous l'aurez compris, eh bien c'est pas forcément un mauvais casque, mais je trouve qu'il est un peu cher. En plus, avancer une réduction de bruit actif qui est juste anecdotique, je trouve que c'est presque mensonger. Et franchement, je vous conseille plus de partir sur un JBL 510 BT plutôt que sur ce casque de chez Jiffy. Donc voilà pour cette vidéo sur ce casque Bluetooth de chez Jiffy. Vous l'aurez compris, je ne vous le conseille pas. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Si vous avez testé ce casque, bah dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si la vidéo vous a plu, si ça vous a aidé dans vos choix. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, c'est hyper important. Et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Ça vous évitera de les louper. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot !